Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale potager. Donc aujourd'hui nous allons voir le semis en terre des petits pois. Donc c'est la même méthode que pour les haricots verts si vous souhaitez les faire en poquet. Donc pour ça j'utilise mon cordeau que j'ai fait moi-même avec deux bâtons puis un bout de ficelle, un plantoir, une griffe. Donc voilà, pour le matériel, j'ai besoin d'un cordeau, de mes graines, de mon plantoir, mais alors une griffe si besoin de casser encore des petites mottes. Et moi j'utilise un mètre pour vérifier que je suis bien à 40 cm de toute distance de chaque trou. Donc 40 cm de ma ligne d'après, 40 cm de là-bas et puis 40 cm entre mes poquets. Donc voilà. Avec mon plantoir, en fait, je vais faire des trous à 40 cm de distance. Donc en fait, voilà, j'en ai fait un premier là, vous voyez. Je vais mettre 4-5 graines dedans. Hop, donc voilà, 1, 2, 4 et 5. Là, hop, je casse les petites mottes, je recouvre. Alors c'est pas la peine de faire les trous trop profonds, hein. Hop, voilà, et je tasse. Et après, je mesure à 40 cm plus loin et je vais faire mon deuxième poquet. Donc, j'utilise ça, hop, comme ça, ça me permet d'enlever un petit peu la terre. Et là, du coup, pareil, je mets 1, 2, 4, 5 graines. Et puis, hop, je recouvre. Voilà. Alors, je ne mets pas de terreau parce qu'en fait, on a déjà fait un mélange compost avec la terre. Au mois d'avril, donc du coup j'ai pas besoin d'enrichir ma terre encore. Voilà. Mais sinon si vous n'avez pas de. Si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez rajouter du terreau en plus. Puis vous faites plusieurs lignes selon la quantité que vous désirez avoir et puis l'espace que vous avez dans le jardin. Et puis dans quelques temps, quand les premières pousses vont arriver, bah vous pourrez biner un petit peu tout autour. Donc en faisant attention de ne pas abîmer vos pousses bien évidemment. Hop. Pour les semer en terre, vous pouvez faire ça au mois de mai, juin. Donc là, on est début juin, donc on n'est pas en retard. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Ingrédients secrets de Mamandine avec groundpictures.com.